Près de Nakonaya, voilà que c'est autour de Saint-Georges-en-Beauce d'être le théâtre d'incendies suspects. Marie-Pierre, deux résidences ont été la proie des flammes la nuit dernière. On se trouve justement, Michel, sur la première scène d'incendie qui a pris naissance vers 3h30 ce matin. On se trouve sur la 22e rue ici à Saint-Georges-en-Beauce. On vous montre des images en direct. Les flammes qui ont pris naissance dans le cabanon juste derrière moi qui est visiblement réduit en cendres. Michel, les flammes étaient d'une telle intensité qu'il y a eu des dommages, comme vous le voyez, à la résidence, aux arbres également. On voit également les policiers qui font leur travail en ce moment. Environ 45 minutes plus tard, la nuit dernière, il y a un deuxième incendie qui a pris naissance, cette fois dans un cabanon de la 127e rue. Des flammes se sont propagées dans un garage, se sont étendues à un véhicule et au garage aussi du voisin. Les résidents ont également été évacués. Heureusement, il n'y a aucun blessé dans les deux cas. Il s'agit d'incendies suspects, selon les policiers. Aucun individu n'a été arrêté pour le moment et l'enquête se poursuit. On a aussi appris dans la dernière heure, Michel, qu'il y a un troisième incendie qui s'est déclaré vers 10h45 ce matin dans un bâtiment commercial. Rien n'indique pour le moment qu'il s'agit d'un incendie suspect sur la 127e rue. Je vous laisse entendre ce voisin que j'ai parlé un peu plus tôt. Il est sorti, mais je suis habillé, puis il a pris mon iPhone et je m'en allais prendre des photos de ça. Les pompiers n'étaient pas arrivés. Ça fait que là, il a pris des photos. Après, je suis revenu dans la maison pour m'habiller un peu mieux, plus chaudement. Ça fait que là, ça leur cognait à la porte. Là, c'est un pompier. Puis il dit, vite, monsieur, il dit, sortez au plus vite parce qu'il dit, là, il dit, le feu, là, commence à toucher à votre maison. Est-ce que ça vous surprend que ça survienne ici, à Saint-Georges? Saint-Georges, oui, parce qu'on n'est pas habitué à ça, là. Si c'est des incendies, c'est un pyromane, mettons, là. Parce que, non, moi, j'ai jamais entendu dire qu'il y avait des pyromanes à Saint-Georges comme ça, là. Voilà, Michel, aucun suspect n'a été retrouvé pour le moment. L'enquête se poursuit ici, à Saint-Georges. Merci beaucoup.